Salut, c'est en OEV, ouais, c'est Captain Fleur, j'espère que nous sommes dans le champion MC, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Hopcourt saison 2. Et oui, cette vidéo va être spéciale parce que aujourd'hui je ne serai pas en survie, mais bien en créatif aujourd'hui. Parce que je vais vous montrer, je vais aller par là-bas, vous savez qu'est-ce que j'avais goût de... J'en ai parlé de ce que j'avais goût de faire, là. Ben... Yeah, j'ai fait une vidéo, puis... Finalement, le micro a pas embarqué. Là, je me cache ici. Volontairement. Bon, je viens de me mettre en créatif. C'est pour pas mourir. Ça serait bête de mourir puis de vous montrer qu'est-ce que je vous ai déjà montré. Êtes-vous prêts? Allons-y. On va faire un... Et voilà. Oui. Vous me direz, c'est la triche! Oui, je suis d'accord. Mais, le but de cette vidéo-là, c'est vous montrer ceci. Puis que je vais continuer ceci. Ouais, je le fais pas en survie pour une seule raison. Parce que, bon, au début, je voulais juste faire la vidéo, puis montrer tout ça. La progression depuis le début, mais ça s'est avéré autre chose. Finalement, le micro n'a jamais embarqué. Je suis bien de vous le montrer et de le faire. Je vais faire tout ici, mais ici, il faudra que je l'aménage, bien sûr. Il va falloir que je l'aménage, mais tout en détruisant pas trop ceci. Mais dites-moi en commentaire si après ceci, vous voulez que je continue et que je continue mon aventure en survie, ou bien qu'on oublie la survie, qu'on finisse le château en créatif puis qu'on arrête la série. Alors ça serait, la prochaine vidéo serait la dernière de la série, ce qui veut dire je voulais choisir si je... Si j'ai pas de retour, je ne continuerai point la série. Si j'ai des retours, pourquoi pas continuer la série. Ça me dérange pas, moi, pour être honnête, là, de continuer la série en Hopcourt encore, cette série. Sinon, je vais partir une nouvelle saison à Hopcourt. Sinon, s'il faut que je fasse ça, je vais le faire. Même si j'aime bien ceci. Là, vous entendez des musiques de Hollow Knight parce que en ce moment, je suis en train de faire de quoi, puis je suis en non-divulgation. Je peux pas vous dire quoi que ce soit, mais je peux vous dire que ça va être divulgué demain. Aujourd'hui, on est le 17. Demain, bon, aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir du Hopcourt. Demain, vous allez voir une autre vidéo demain. Ça, c'est garanti 100%. Ne vous inquiétez pas. Je dis ça, puis vous dites. Ben, c'est-à-dire que je vous le dis à 100%. Là. Cette vidéo que vous voyez en ce moment, elle est là. Ça, je peux rien dire. Elle est là. Vous l'avez. Aujourd'hui, un peu tard, je m'en fous. Mais vous allez avoir une autre vidéo. Oui, littéralement une autre vidéo. Je sais pas ce que je... Pour demain, sans faute. Pour demain, c'est une surprise. Je n'ai pas le droit de divulguer quoi que ce soit. Juste ça, sans vous dire quoi que ce soit, dans le fond. En gros. Ah oui, si vous voulez que je continue à survivre, je ne mettrai point de source lumineuse ici.
Mais bien sûr, évidemment, par la suite, il va y en avoir des lumières. Mais ces lumières seront en fer. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour cette vidéo, ça va être uniquement les musiques de Hollow Knight. Bon, pour ça, je vais continuer ceci. En ce moment, pour être juste pour vous tenir informé, je suis en vacances. Ouais, je suis vraiment, je suis en vacances. Puis ça se peut que je sois plus lent ou plus rapide sur certaines choses. C'est-à-dire le rythme sera pas constant. Déjà, je suis en retard, logiquement dans ce que je veux faire, mais en même temps, je m'en fous. Je m'en fous, on est l'été de toute façon. Puis logiquement, je pourrais vous sortir une vidéo par semaine. N'oubliez pas le principe de chaque été, absolument. C'est une vidéo par semaine. Soyez chanceux que je n'ai pas arrêté parce que vu que j'ai été très peu productif ces derniers temps, je me suis dit. Je laisse faire une vidéo par semaine, puis je vais tout simplement commencer à faire être plus productif. Pour cet été, je suis quand même beaucoup plus productif. 3, 4, 5. Puis je vais. Comme vous avez vu, le rythme des vidéos a plus ou moins changé. Même que j'ai fait du camping, puis. Ouais, j'ai fait du camping. Puis. Pendant que j'ai. Ok, j'ai presque oublié, là. Pas qu'il m'a décidé le deuxième, là. Alors, j'avoue que j'ai presque oublié de le mettre. Je suis plutôt camping, littéralement, là. Une journée avant de revenir. Juste pour vous dire. Et ouais. Juste pour vous dire que. Le rythme peut rester pareil. Tout comme le rythme peut ne. Suivre. Peut rester le même rythme comme il peut être un peu plus au ralenti. Le rythme est non défini de toute façon. Je vais à mon rythme de toute façon. Si c'est après une semaine, c'est sûr. Moi, personnellement, j'aime mieux être régulier. Mais si je ne peux ne pas être, si je peux pas être régulier à ce moment-là pour peu importe la raison, c'est parce que je suis en vacances, je suis chez moi. Il y aurait une vidéo qui aurait sorti avant, mais c'est juste que je suis même pas chez moi. Juste comme ça. Peu importe la raison à laquelle qu'il y a un bon décalage, je m'en fous. Il y aura un décalage, je m'en fous. Oups là. Il y aura un décalage d'une semaine, je m'en fous. On va l'avoir. De toute façon, vous êtes avertis. De toute façon, l'été, absolument, c'est. Le pire, c'est qui est le pire de ça? C'est que l'été, je faisais une vidéo par semaine, mais. C'est comme. Il fallait que j'en fasse plus. Je faisais comme l'effet inverse. Comme si je suis obligé de faire une vidéo par semaine. Ça me tente pas toujours. Je suis pas obligé de faire une vidéo par semaine. Une vidéo ou trois jours. Je m'oblige. Pas je me sens obligé, mais je m'oblige. Bon, ça me tente pas. 4, 5. Puis là, je fais pas de je fais une vidéo par semaine. Je m'efforce à faire une vidéo par semaine. C'est fou. Quand même, mais pour être honnête, c'est fou quand même. Comment que
la psychologie. Une question de psychologie, littéralement. Même si vous me direz le contraire, c'est psychologique pas mal, là, sur bien les choses. Là. Il y a beaucoup de choses, que vous voulez ou non, là, c'est psychologique à 100%. Que voulez-vous? On est fait ainsi. Du moins, on est ainsi fait. Je suis en train de continuer les développements de mon jeu. Histoire aussi, je vais en profiter aussi. J'en profite pour faire des choses que j'ai plus besoin de temps de faire. Ça fait du bien quand même, là. De faire des choses qu'on a plus ou moins de temps de faire en règle générale. Comme développer mes jeux, des fois ça me tente pas. Une journée ça me tentait, littéralement. Vraiment la musique de Night est bonne. Inquiétez-vous pas, il va en avoir d'autres. Honnête, ça y est, soit une vidéo, une série complète. Dun, dun. Ça, je peux vous l'assurer que Hollow Knight est une série complète. Comme plusieurs séries que je suis en train de faire est une série complète. Pokémon XD est une série complète. Ok, vous me direz peut-être pourquoi même XD alors que tu préfères des jeux plus récents. Ça me tente de faire des jeux rétro dont... J'avais hâte de faire au moins un jeu des jeux Pokémon, des gameplay Pokémon, des jeux, séries complètes sur un jeu Pokémon. J'avais vraiment hâte d'en faire enfin la possibilité d'une certaine façon. Ce sera la seule série pour l'instant Pokémon. Quand cela sera fini, je vais m'arranger de... Bien sûr, je vais m'arranger aussi de faire un... d'autres jeux Pokémon, mais ce n'est pas garanti à 100%. Moi, aujourd'hui, je vous tiens au courant pas mal de ce qui se passe sur la chaîne, comme de temps en temps. Clash of Clans... Vous me direz pourquoi qu'il n'y a pas de Clash of Clans. C'est normal, parce que justement, on est l'été, puis l'été... Vous avez déjà vu Clash of Clans l'été? Pour être honnête. Bon, c'est le même principe qu'une vidéo par semaine. Mais la différence, c'est que Clash of Clans, il n'y en a pas durant l'été. Je vais faire une autre vidéo, ça c'est sûr, je vous garantis 100%. Il va y avoir une autre vidéo de du Hacker saison 2. Après ça, ça dépendra de vous si je continue la saison 2 ou bien on laisse faire la saison 2 puis on va à la saison 3 de Hacker. Le rendu là, ce sera à vous de décider. C'est sûr, d'une certaine façon, je peux continuer, mais en même temps, je m'en... J'ai te fait moins longtemps que la précédente. Ouais, j'ai pas te fait bébé longtemps. Mais là, peut-être la prochaine saison, ça me durer plus longtemps. Puis si vous avez des idées de construction, vous pouvez m'en faire part, hein. Vous pouvez, je suis pas un builder. Juste pour vous dire. Mais là, pourquoi que j'ai des fantômes? Justement, j'étais en créatif. Justement, à cause de que j'étais en créatif, j'ai pas dormi. Alors, ça compte pas. Ces fantômes-là, ça compte pas. Je vais mettre la vie au complet après, là. Quand même, là. J'étais en créatif hier, justement, j'étais en train de faire ça. Mais la différence, c'est que il était pas fait. La différence, puis de toute façon, je saurais pas quoi dire. Parce que j'étais fatigué aussi. Mais là, ça va bien, ça j'ai des choses à dire, ça va bien. Quand j'ai rien à dire, je sais pas quoi dire, là, parce que je suis fatigué, là. 3, 4, 5.
J'aurais fait d'une méthode. Bon. Qu'est-ce que je veux faire? Je vous monte en accéléré, c'est ça? C'est le. Le. Qui s'était supposé cette vidéo-là de base, mais vu que mon micro n'est pas embarqué. Microcast, ça fonctionne au moins. Je veux juste m'en assurer, mais ça fait quoi une demi-heure de ça? Que. Bah, 22 minutes de ça, puis je m'aperçois. Oh non! C'est l'audio pas encore embarqué. Oh! Ça serait-tu pas énervant rien qu'un peu? Et oui, à part ça, je posais ceux qui se demandent, j'enregistre avec mon micro-casque. Ben normalement. Dans le fond, mon installation micro n'est pas une installation permanente, mais temporaire. Disons, mobile, on pourrait dire aussi. Parce que. C'est ça que. Surtout pour que si je filme mes consoles, là. Entre autres. Là où. De la GameCube dans ce cas-ci. À un moment donné, ça va être d'autres consoles. Tout ça. Je vous dis que. Un petit renouveau là-dessus. Un peu de rétro. Renouveau. Je dirais que c'est un peu sur du renouveau. Ben, sur ma chaîne, oui. Ça me tentait de faire du rétro gaming, pour être honnête, là. Je m'en fucker mon affaire. Pff, pas grave. Autant que je. De toute façon, ma chaîne, 2, 3, 4. Autant ma chaîne fait des jeux récents que des jeux rétro. On s'entend. No Kuni, ça c'est récent. Pokémon, succès, ça c'est rétro pas mal. J'ai plusieurs jeux rétro qui vont s'en venir aussi dans le futur. Je sais pas si ça va être essai de jeu ou autre. Je suis en train de me poser la question en ce moment même pour ça. Ça va être partie de ces jeux ou retour vers le rétro. Mais en même temps, je peux pas dire ça parce que. Il me semble qu'il y a une chaîne qui s'appelle Retour vers le rétro. Si je me trompe pas. Oui, je pense qu'il y en a une chaîne qui s'appelle Retour vers le rétro. Ouais, je me verrais pas peut-être appeler cette série Retour vers le rétro. Je sais pas. Si tu te vois là pour me dire tu peux ne pas mettre ça. Puis être original. C'est des droits d'auteur quand même d'une certaine façon, hein. Quand on y pense. Ben je pourrais faire essayer le jeu rétro. En même temps, je retourne vers le rétro. Ça sonne bien. Pour y appeler cette chaîne le retour vers le rétro d'ailleurs. On s'entend. J'ai une autre question que je pourrais vous demander. Mais en même temps, ça c'est. En même temps, c'est une question que je pourrais vous demander. Mais en même temps, c'est une question qui est plus appropriée à moi-même que vous aussi. C'est moi qui devrais déterminer si c'est un. Laisse le nom de la série. À moins que j'avais des idées de nom par rapport à ça. Hein. Mais c'est sûr que c'est moi qu'il faut qu'il détermine moi-même ma série en ayant. Bon, moi je trouve c'est préférable de pas. Ouais, vous me direz. Mettez un pied flammeur avec les pocketeries, mais en même temps. Si vous gardez un souvenir, c'est pas juste. Puis lui, ça lui dérange pas pantoute. Il l'a même dit dans sa dernière vidéo, Flamand. Donc, bon, c'est que dans le fond, je me présente ma chaîne, que je suis YouTuber Ulti Gaming québécois. Pas plus que ça. Puis que j'aime son contenu, puis que ça m'a même inspiré à faire des théories Pokémon, qui est vrai. C'est absolument vrai. Tenter de remercier Flamand pour être sa partenaire. Puis on voit une structure. Donc je vous invite à aller la voir. C'est
ça vous tente de les voir faire mort. Je vous conseille aussi, si vous êtes fan de Pokémon, que vous aimez les théories Pokémon, lui il en fait beaucoup plus. Ben là, on sait pas si j'avais dit qu'il arrêterait, mais en même temps, il a continué aussi. Il sait pas non plus si ça va continuer ou ça va arrêter. Ça dépend des théories Pokémon, parce qu'on s'entend que le jeu épée bouclier, Pokémon épée bouclier, on s'entend que c'est peu de contenu, de peu de théories. La seule chose étrange, c'est un fantôme. C'est tout. Et rien plus. Et ouais. Les seuls mystères, c'est la créature avec la nuit noire. Puis avec l'énergie infinie. C'est pas mal juste ça qu'il y a comme théorie. Il y a peut-être d'autres théories vu que j'ai pas joué au jeu, puis je ne veux pas. Ça m'intéresse point d'avoir la Switch. Pas le jeu, je le jouerai quand même. C'est juste la Switch qui m'intéresse pas. C'est pas la même histoire, disons. C'est quand même dommage que je ne. Au moins, c'est une version aussi à la 3DS. C'est sûr que ça serait plus de développement, mais. Mais 3DS, pour moi, ça reste la console, la meilleure console portative de tous les temps. L'IDS, là, pas juste la 3DS. En particulier la 3DS, c'est juste que. C'est la plus avancée. Pour être honnête, moi. J'aime pas le joystick, comment t'es. La manette, comment qu'elle est faite. En plus de ça. Oui, c'est sûr que le light, mais en même temps, c'est. Entre la DS puis le light, là, c'est comme si tu jouerais sur une tablette, littéralement. Quand on dit que la DS, tu joues pas sur une tablette. Oui, t'as des boutons, oui, tout ça. Puis c'est vrai qu'on a ceci. C'est comme un peu si on jouerait avec une 2DS. Une 2DS 3D, sûrement que. Pour moi, ça revient à ce niveau-là. Comme si j'aurais une 2DS. Disons que j'aime mieux un 3DS pour au moins ça protège l'écran. Au moins. Contrairement à une Switch que c'est même pas protéger l'écran convenablement. C'est comme la même protection que. Tandis que là. Il est protégé, c'est. Tu peux fermer l'écran. C'est sûr que le monde se plaint de la DS que l'écran est petit, mais moi je me suis jamais plaint. Mais. Jusqu'à dire que je me suis acheté une Game Boy Color qui a même pas de luminosité. On s'entend rendu là, je m'en fous un peu de. La 3DS. La DS puis la 3DS d'écran. Rendu là. Ouais, j'ai goût de jouer à des jeux. Sur Game Boy, mais ça par contre faut que j'attende un tout petit peu pour pouvoir, faut que je réussisse à faire fonctionner ceci. Faut que j'ajoute le jeu original de Pokémon Platinum. Ça c'est une question que je me pose. Faut que j'ajoute le jeu original pour que ça fonctionne convenablement ou ça peut fonctionner facilement. Je sais pas comment faire fonctionner. Ça, c'est une autre histoire. Parce que oui, j'ai une Nintendo 64. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais si vous l'avez pas dit, je vous dis. Je m'en fous de toute façon. James Bond! Si ça vous tente, je préfère. Ok, je suis pas si bon que ça. J'ai déjà joué antérieurement. Puis je suis moins bon. Je préfère les scénarios de James Bond. Si ça vous tente. Je vous offre la proposition, mais c'est sûr que. Encore là, vous offrez la proposition. Siri. C'est une petite Siri que ça va être, là, on s'entend, là. Il n'y a pas.
un million de contenu non plus. Ou vous voulez que je fasse une vidéo. C'est sûr que je vais revenir de là. Revenir avec les jeux rétro, là, ça c'est sûr, vous avez garanti. Autant que je vais faire de contenu des jeux récents, que je vais mais je vais aussi avec les jeux rétro. Super Nintendo. Nintendo Super Nintendo, ça sans doute. Game Boy, ça va être plus difficile par contre. Mais vraiment plus difficile. Nintendo 64, GameCube, la franchise Zelda qui va peut-être être faite aussi en série. Ça par contre, ouais, la franchise Zelda sera faite en série. Et j'ai joué Breath of the Wild. Si je veux jouer sur la Wii Breath of the Wild, faut que j'achète une Wii U. Chose que tout le monde sait qu'ils sont rares. Les Wii U. Ça, c'est ce qui va s'en venir sur ma chaîne. Mario Kart 64, qui est pour moi la meilleure. Finalement, je vais l'avoir faite au complet. Ça me dérange pas, même si je suis un peu plus long, de toute façon. Je m'en fous. De toute façon, rendu là, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que moi, les vidéos longues, ça fait partie de ma chaîne. De toute façon, moi, pour être honnête, là, si vous vous demandez ça, là, est-ce que moi, quand j'écoute une vidéo, est-ce que je l'écoute au complet, même si dure une heure? Oui. Si le jeu, le jeu est intéressant, je suis prêt à même écouter un gameplay complet. Allez jusqu'à là. Gameplay complet Twitch sans arrêt, sans coupure, même des 8 heures de visionnement, l'esprit complet de je ne sais trop combien d'heures de Bob Lennon avec Zelda Breath of the Wild. Je l'ai fait écouter pour de vrai. Au complet, sans exception. Ça, je ne vous crois même pas. C'est la pure vérité. Ouais, moi, si ça m'intéresse, ça, je suis prêt à visionner au complet sans problème. Je suis assez fou pour ça. Ça, je peux vous le dire. Il y a bientôt aussi un autre essai de jeu que je vais faire. Ben, il y a plusieurs essais de jeu que je pourrais faire, là. Même que j'ai fait là. Essai de jeu ne comprend pas nécessairement essayer le jeu pour la première fois. C'est des certaines fois c'est que j'ai découvert le jeu. Que je vous montre tout simplement. Ça dépend des circonstances des jeux là. Il y en a c'est en découverte. Ben dans le fond, essai de jeu, cette série là, c'est pas une série. Nécessairement que je découvre nécessairement des jeux, mais comme que vous avez pu voir avec Mini Metro, c'est je découvrais pas avec vous parce que c'était volontaire là, de pas découvrir le jeu avec vous parce que je voulais me rendre à Montréal littéralement. Mais la série de vraiment essai de jeu en tant que tel, c'est pas mal ça. Pas mal ça, pour être honnête là. C'est soit des découvertes ou je vous présente le jeu déjà. Je vous présente le jeu. Quand je dis présente le jeu, c'est sous forme de je connais le jeu puis vous explique comment y jouer. Ça c'est ma version essai de jeu. C'est les deux sortes de versions que vous avez déjà vues d'ailleurs. Erling Commander. Étonnamment, j'ai resté surpris qu'une vidéo soit dans mes mains, dans les et montée aussi haut. Pour être honnête, je m'y attendais absolument pas. Tu sais, l'essai de jeu Erling Commander, vidéo qui est la vidéo 13. 1617 vues! Non, mais! Je pense que je vais refaire une autre vidéo là-dessus. Je vais m'y remettre d'ailleurs.
sais plus si les détester ou non. Non, mais pour être honnête là, j'aurais jamais. Il y en a que. Ok, ça me surprend pas. Vu nos présentations, top 7 des vues plus vieux maintenant, celui-là il me surprend pas partout. Déjà Noël 2, celui-là je sais pas si vous remontez autant. Ça c'est notre histoire. Ok, c'est pas mal des vidéos dont c'est des spéciales. Mais un jeu, concrètement, pour être honnête là, c'est le seul jeu. Le seul et unique jeu sur ma chaîne qui a monté dans les meilleurs 1, 2, 3 et 5e. Regardez par vous-même. Celle-là, je la comprends pas. Je suis honnête avec vous, celle-là, je la comprends pas. Ok. Comment ça, il a monté au... Tu sais, des fois, on... Il y a des jeux qu'on pourrait... penser que celle-là va pogner, je suis sûr certain, mais dans le fond il y en a qu'on sait pas quoi s'attendre, il y en a qu'on pense, il y en a qu'on sait pas quoi s'attendre, beaucoup de jeux je sais pas quoi m'attendre, je m'attends à certains résultats mais après ça je sais pas, mais un jeu donc on ne sait c'est incroyable qu'on ne comprend pas le l'impact que ça a eu. Ça et Link Commander là. Pour être honnête, je la comprends pas celle-là. Je suis content là, pour être honnête là. Je suis bien content là. Mais c'est... Ce jeu précis, je ne m'attendais point à ce qu'il y ait un impact. Un aussi gros impact. Wow! Ouais, je vous en parle maintenant. Parce que ça fait pas longtemps non plus que j'ai remarqué ça. Hein? Ça? Ok. On dirait que j'ai. Je vais peut-être pas faire une série en tant que telle sur Erling Commander, mais faut que. En voyant ça, je me dis que faut que j'y retourne là-dessus. Absolument. Pour être honnête, ça me dit ça, là, qu'il faut que je retourne là-dessus. Mais, comme je vous dis, je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Là. Un an plus tard, après la sortie de cette vidéo, ça fait déjà un an, ça. Shit, et que ça passe vite. C'est comme si j'aurais l'impression que ça fait 6 mois que qu'il est sorti. Ben non, un an. La perception du temps est... Fucky, que je trouve. Mais pour être honnête là, je m'attendais pas du tout à ce que j'aie ce résultat là. Ouais, pour mentionner ça, dans le fond l'essai de jeu là, soit que vous connaissez le jeu puis ça me tente de jouer ce jeu là, puis je le fais en essai de jeu parce que j'ai jamais joué, soit que c'est pour vous faire découvrir des jeux, même si, ben c'est ça, vous faire découvrir des jeux littéralement. Le principe de essai de jeu, c'est pas mal ça, de ces deux raisons là je pense, c'est vous faire découvrir des jeux puis aller explorer de nouveaux horizons là, découvrir des jeux, ceux qui m'intéresse, qui m'a tout ça là. Mais ce qui est comprisé, l'ironie des choses, parce que oui, il y a une ironie là-dessus, c'est que moi, les avions, oubliez-moi. Moi, prendre l'avion, c'est oubliez-moi. Littéralement, là. Mais je vois des jeux, c'est pas la même affaire non plus, là. Soit par contre, je faisais pas moi le fouiller à des jeux d'araignées comme certains qui ont fouillé. Est-ce que non, je ne jouerai jamais à ça. Limite, quelqu'un m'offre une clé sur ce jeu-là. Hors de question que j'y joue.
Oh, ce que non. Qu'est-ce qui est araignée? Oui, je suis arachnophobe. Même si c'est supposé. Moi, les araignées. Mais ça, c'est encore beau que je suis rendu les araignées. Au point d'attente. Parce que ça mange les bébites quand même. Faut se le dire. Ça mange les bébites, c'est quand même utile à l'environnement. Ouais, je prends jeu à faire ceci. Après ça, les taux. Mais les taux. Là! Mais dans le fond, la question c'est est-ce que j'abandonne la série puis je repars une autre? Ça, c'est vraiment la question que je pose. Est-ce que j'abandonne la série puis je passe à la nouvelle série de Upcurl? Ou je continue? En même temps, c'est vrai, j'ai à y repenser. Au long de cette vidéo, je me dis en même temps, ouais, c'est sûr que ça serait quasiment préférable de recommencer. Tout ça en même temps, c'est quel pire. Plus que la vidéo avance, plus que je parle de, puis je parle de ça, plus je me dis, finalement. Peut-être que je vais l'abandonner. La série. Littéralement, là. Je pense à ça vraiment, là. Parce que la vidéo avant, je me dis, finalement, je vais peut-être pas continuer. Ou je vais attendre votre commentaire, par contre. Pour être honnête, là. Sur le night, ça? Je sais pas. Hein. Ah, sûrement. The Dream. Mais aussi, pourquoi que des fois j'insiste à faire des. Sûrement, il y en a qui se posent la question, probablement. Pourquoi j'insiste à absolument à faire des séries pour garder une série, mais une série que j'aime, c'est pour au moins faire découvrir ma chaîne d'une certaine façon. Exemple, si je ferais pas de série, puis c'est juste une vidéo, pour être honnête, là, l'impact serait peut-être pas la même non plus. Là. Exemple, si je d'une certaine façon, c'est pour c'est sûr pour faire du contenu sur ma chaîne, en même temps faire une certaine visibilité d'une certaine façon sur ce jeu. Si on voit ça de cette façon là, c'est vraiment ça pour vrai là. Une certaine visibilité. Je fais Pokémon XD. Si quelqu'un cherche ça, ils vont me voir, peut-être vont me découvrir, puis après ça, si quelqu'un est fan de Pokémon. Oui, c'est sûr que c'est sûr qu'un peu du côté visibilité, là, on s'entend. C'est pas 100%. Faut progresser aussi. Si on veut progresser aussi sur YouTube, là. C'est sûr que oui, j'ai une façon de penser YouTube, comme qu'on pourrait dire. Pour ceci, ça je suis bien honnête avec vous. Puis en même temps, c'est parce que j'aime le jeu aussi. On sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui va tomber sur une série que je fais, puis va aimer ça, puis va l'écouter au complet. C'est ça le mot but en gros avec. Avec ça, là, faire des séries complètes. Et c'est des essais de jeu, c'est juste pour vous faire découvrir. C'est pas. Il n'y a pas de but en tant que tel. C'est surtout les. Clash of Clans, parce que ça reste mon. Le jeu à laquelle j'ai débuté ma chaîne. Là. Il y a aussi ça, là. Minecraft, j'adore ça. J'aime ça. Je continue, il y a tellement de contenu qu'on peut faire aussi d'ailleurs sur Minecraft. Du contenu quasiment infini. Ça, il doit mettre des vaches d'un coup. Ça, il n'y a pas de vaches. Qui est pas pire mon château, on s'entend. Là. Il est pas pire mon château, je l'aime bien.
ceux qui restent tôt. Les tours, je vais le faire en... Oh, ça va dépendre de vous, comment je le fais. Mais il va y avoir une dernière vidéo, ça je vous le garantis. Là. Une heure de vidéo. Avec pas mal de blabla. Ça va être une grosse journée. Faut que je fasse deux vidéos aujourd'hui. Yes. Grosse journée de travail pour vous. Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Puis comme que j'ai dit, j'ai parlé pas mal de choses. Dans la prochaine vidéo, j'ai une surprise pour vous. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore visiter mon site internet dans le lien sur le bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Pour ça, je vous dis merci à tous.